en direct du stade Toumba. Bienvenue les amis, bienvenue à Salonique. So the atmosphere was really hot in the first night, and you... How it was, the atmosphere? Really warm, hot, and maybe too passionate, so it was a lot of incident. And at the end of the game, so you were as well pretty angry, and what you said shocked some people in France. Do you regret those phrases that you might have said just after the game when the emotions were pretty high? So, the people in France were shocked by my statement, and were not shocked but why what the fans of Marseille provoked in 2 days. So they not were, just one day. They were shocked by what happened in the stadium, but they thought that as a figure of authority, yes, you should have kind of calmed the things down, and they thought that maybe... To calm down what? The atmosphere. Not Marseille before, not Marseille to organize in a different way, because there, really, we came for not a party, it's too much to say a party, but for something very nice, very beautiful. We were maybe the first or the second time in the history of PAOK in this level. So we came there to enjoy the game with the family, with friends, with fans. And what happened? This is my fault. I don't believe this. And what I said, it is very correct. Bonjour à tous, bienvenue dans cette conférence de presse, conférencée pour le match au retour entre le POC et l'Olympique de Marseille. Vous êtes en présence de notre coach assistant Rové Desio et notre gardien capitaine Stade Mandanda. Thank you.
huge budget playing in the first top leagues in the world and in having huge quality. I can tell you that I am very, very proud about the players and about the work that they did. It's true that Marseille at the end needed not just the quality, also the mistakes of the referee in the first game. We were able to play from at least at an equal level with them as a football style, creating opportunities here. They didn't create as many opportunities in their pitch, but unfortunately this means a huge quality of Payet, two finalizations, two goals, and we need a lot of opportunities to score just one goal. Very good way. We lost one half, we gained two, and let's say that another half was in balance. Bah, on l'a fêté, comment dire, on était super contents. Et puis voilà, c'est pas, faut pas minimiser. Ça reste une Coupe d'Europe, nous on joue tous les matchs pour les gagner. Aujourd'hui, voilà, on a deux matchs d'une finale. Et j'espère qu'on sera allé au bout, on va prendre match par match. Mais je pense qu'avec la détermination, la rigueur qu'on met à chaque rencontre, et bah, j'espère que ça va le faire. Il est plus de 3h du matin à Salonique. Je pense qu'il est largement l'heure d'aller me coucher. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. L'idée, c'était de vous faire vivre un petit peu ce déplacement de presse, ma foi, très sympathique à Salonique, chargé du seum de Razvan Lucescu et de la grosse ambiance quand même ici, mais surtout de la qualification de l'Olympique de Marseille pour les demi-finales de la Conference League, la Toto League comme j'aime l'appeler, mais vraiment c'est une super compétition à vivre, donc c'est pour ça que je me suis dit, bah, avec les moyens du bord, on va essayer de vous faire voyager un petit peu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Si ça ne vous a pas plu, n'hésitez pas à ne pas me le dire. Je sais que vous allez le faire. Vous savez que vous pouvez regarder autre chose, les gars. Vous avez toujours cette chance-là dans tous les cas. Je vous dis à très bientôt sur Football Club de Marseille. Et puis bonne nuit. Enfin, vous verrez ça demain. Enfin, bref. Allez, ciao.